Notre première lecture se trouve dans le livre de la Genèse, à la page 16, donc au début de l'histoire de l'humanité, dans les premiers chapitres de la Genèse, quoique nous sommes rendus à, non pas au tout début, mais quand même l'histoire des patriarches, le début du rassemblement du peuple de l'Alliance. Évidemment, Genèse 18 est immédiatement après Genèse 17, où euh, nous lisons euh, euh, que Dieu a fait alliance avec Abraham et avec sa postérité, avec la promesse d'être son Dieu et celui de sa descendance après lui, et avec le signe de la circoncision qui a été institué à ce moment-là. Donc, immédiatement après, au chapitre 18, nous avons cette parole au verset 18 et 19. C'est Dieu qui, qui parle ici. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Notre deuxième lecture se trouve dans le Psaume 78, qui est notre texte principal, le texte pour la prédication. Psaume 78. Évidemment, je ne lirai pas l'ensemble du Psaume, il contient 72 versets et la plus grande partie de ce psaume rappelle plusieurs événements de l'histoire d'Israël. Nous n'aurons pas le temps de regarder cela aujourd'hui, j'en citerai quelques exemples dans la prédication, mais nous lirons pour le moment simplement les versets 1 à 8 qui sont qui est le texte pour aujourd'hui. Psaume 78, 1 à poème d'Azaph. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement, tendez l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche pour une parabole, j'énonce les énigmes des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront, ils la rediront à leurs fils, ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, ils ne seront pas comme leur père une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle. À Dieu. Prions Père Céleste, que ta parole brille et brûle dans nos cœurs. Éclaire-nous, éclaire nos vies, afin que nous ne soyons pas une génération indocile et rebelle, infidèle à toi, mais une génération qui t'aime, qui veut te servir, à l'écoute de ta parole. Conduis-nous donc par cette parole et par ton Esprit Saint aujourd'hui. Instruis-nous, fortifie-nous, encourage-nous. Nous en avons besoin, Seigneur notre Dieu. En Jésus, nous te prions. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous croyons et confessons que le Seigneur Jésus rassemble son Église depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps. Il rassemble... Et protège son Église de jour en jour, de génération en génération. Il le fait en se servant de moyens, le moyen de sa parole et de son esprit, le moyen aussi des parents, les parents qui éduquent leurs enfants dans les voies de l'Éternel, du Seigneur Dieu. Le psaume 78 est un psaume historique qui regarde vers le passé pour nous permettre de vivre dans le présent aujourd'hui en vue de construire l'avenir. Notre devoir n'est pas seulement en lien avec le présent, nos préoccupations quotidiennes, il est beaucoup plus large que ça. La responsabilité de chaque nouvelle génération de croyants consiste à regarder vers le passé pour que nous et nos enfants aujourd'hui apprenions à vivre aujourd'hui dans ces voies, dans la perspective de ce que Dieu fera dans l'avenir, dans les générations à venir. Le grand plan rédempteur de Dieu se déploie de génération en génération car, nous dit le psaume 100 que j'ai lu en introduction dans la convocation, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, quelle place occupons-nous, nous, nous aujourd'hui, 2023, à l'intérieur de cette longue chaîne de l'histoire de l'alliance. Voici le thème de cette prédication. Dieu se sert de l'enseignement des parents en vue de bénir les générations futures. Dieu se sert de l'enseignement des parents en vue de bénir les générations futures. Nous verrons trois choses, trois éléments. Premièrement, l'appel à enseigner. Deuxièmement, le contenu de cet enseignement. Et enfin, le but de cet enseignement. L'appel, le contenu, le but. Alors l'appel à enseigner. Dans ce psaume, Azaph, qui est un contemporain de David, que David avait nommé avec des responsabilités importantes pour la louange, le chant, devant l'Éternel, Azaph interpelle le peuple de l'alliance. Verset 1. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Prête l'oreille, tendez l'oreille. Des verbes très forts. Ça ne veut pas juste dire écoutez, mais écoutez et répondez. Répondez à l'appel de Dieu. Le message d'Azaf s'appelle, il l'appelle un enseignement une parabole, et aussi les énigmes des temps anciens. Il y a quelque chose dans cet enseignement d'énigmatique, de mystérieux, dans ce psaume, impossible à pleinement comprendre avec notre pauvre et faible intelligence. Alors on peut s'attendre à certaines surprises dans ce psaume. L'auteur nous raconte des événements marquants de l'histoire d'Israël. Il a réfléchi à cette histoire et nous présente le fruit de sa réflexion. Nous avons des leçons à tirer de sa réflexion, des leçons, mais aussi des principes concernant l'enseignement à donner à la génération suivante. Azaf, remarquez bien, se place parmi ceux qui ont reçu cette responsabilité, non pas à côté, mais il fait partie de ceux qui ont reçu cette responsabilité. Verset 3. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leur fils. Il est pleinement partie intégrante. Il adresse un appel, mais il doit lui-même y répondre. Cette histoire qu'il ne faut pas cacher aux enfants, le peuple de l'Alliance, les grands, les adultes, la connaissent très bien, cette histoire. Ils l'ont déjà entendue bien des fois. Quand ils étaient sur les genoux de maman, ils l'ont entendue. À table, en famille, autour d'un repas, papa leur a raconté cette histoire. En se levant, en se couchant, en allant en voyage à la maison, dans toutes sortes de circonstances, ils ont entendu. Cette histoire. Les choses les plus importantes que nous avons besoin d'entendre et de transmettre aujourd'hui, ce ne sont pas des choses nouvelles, nouvelles révélations, des nouvelles idées, non, non. Les choses les plus importantes à entendre et à transmettre, ce sont les bonnes vieilles histoires de la Bible. Les belles vérités bien connue de la parole de Dieu. Voilà ce qui est essentiel. Cette histoire, donc, les Israélites avaient la responsabilité de la transmettre à leur tour, ils l'avaient entendue maintenant, la transmettre à leur tour à la génération suivante. C'est l'appel de Dieu qu'ils leur adressait C'est l'appel que Dieu nous adresse encore aujourd'hui. À vous qui êtes parents, qui êtes jeunes parents, et à vous tous qui faites partie de la communauté de l'alliance. Nous sommes tous concernés d'une certaine manière. Verset 4. Nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Leurs fils, ses fils, ils ont le droit de savoir. Ils ont besoin de savoir. Mais c'est étrange. Pourquoi? à leurs fils. Pourquoi pas à nos fils, mes enfants. Pourquoi leurs fils? Parce qu'Azaph adopte la perspective de l'alliance, la perspective de la foi, en fait. Nos pères qui nous ont redit ces choses ne ce sont pas seulement nos, nos parents immédiats, ce sont aussi nos grands-parents, peut-être nos ancêtres, et nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, nos pères, nos patriarches. Alors nous raconterons ces choses à leurs fils, c'est-à-dire aux fils de l'alliance que Dieu a établie autrefois avec Abraham, Isaac et Jacob. Notre responsabilité ne se limite pas à enseigner à nos propres enfants. Et une fois que c'est fait, ben voilà, moi j'ai terminé mon travail de transmission de la foi à la génération suivante. Non, non. La responsabilité d'enseigner à la, à la génération suivante repose premièrement sur les parents, bien entendu, mais aussi sur toute la communauté de l'Alliance à l'égard de tous les enfants de l'Alliance. Nous avons une part, tous et chacun d'entre nous, dans une certaine mesure. C'est vraiment extraordinaire quand on y pense. Si nous avons aujourd'hui une connaissance vraie de Dieu, si nous avons l'évangile, si nous avons une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. C'est pas venu comme ça de nulle part. C'est parce que Dieu a préparé le terrain depuis des générations et des générations. La joie que nous avons aujourd'hui d'appartenir à Jésus-Christ, de vivre pour lui, de le servir, de le chanter. Dieu a préparé cette joie. À travers la longue histoire de son alliance avec son peuple, à travers les nombreuses générations passées depuis le commencement du monde et qui ont transmis tour à tour le flambeau de la foi, la foi chrétienne, jusqu'à nous aujourd'hui. Et tout ça grâce à la fidélité indéfectible de Dieu à son alliance et à ses promesses de génération en génération. Au fond, tout ce qui soutient ça, c'est la fidélité de Dieu à son alliance. Certains parmi nous sont peut-être de la première génération de chrétiens, de croyants dans leur famille. D'autres ont le privilège d'être la deuxième génération, la troisième génération, ou peut-être plus encore. Peu importe, peu importe. Dieu vous a donné à tous la foi à travers le témoignage. Qui vient de très loin, à travers le témoignage d'une longue lignée de croyants, pour qu'à votre tour, vous, vous transmettiez cet enseignement à la génération suivante. Nous avons tous, parents et Église, la responsabilité de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. Il est absolument essentiel, absolument vital que nous comprenions et que nous acceptions et que nous assumions notre rôle dans cette transmission intergénérationnelle. Il en va de l'avenir de l'Église. Il nous faut prendre le flambeau et le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants et à tous les enfants de l'Église. Quelle contribution apportons-nous chacun? Quelle contribution apportez-vous à cet égard? Mais c'est un peu audacieux ce que Azaf dit. Sur quel fondement, dit-il ces choses, sur quel fondement pouvons-nous prétendre avoir cette responsabilité et, je dirais, cette autorité? vis-à-vis -vis de nos enfants, parce que ça implique une autorité. À l'heure où l'autorité parentale est remise en question dans notre société, jusqu'à être sérieusement minée, et nous devons nous préparer à ce qu'elle le soit peut-être encore plus à l'avenir, il est capital de pouvoir répondre à cette question d'avoir les pieds posés solidement sur le solide fondement. Et la réponse ici, bien sûr, elle est plus développée dans d'autres textes de la Bible, mais ici, elle se trouve au verset 5. Il a dressé, c'est-à-dire l'Éternel a dressé, dressé, hein, c'est solide, c'est bien établi, un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné, qu'il a ordonné à nos pères. De faire connaître à leurs fils. Voilà ici le fondement de cet appel. Voilà pourquoi nous avons cette responsabilité, mais aussi cette autorité. Parce que Dieu lui-même, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, l'a ordonné à nos pères, et parce que ce commandement est encore valide aujourd'hui. Par exemple, Deutéronome 6, 6 et 7. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Peu importe ce que les États modernes pourront dire, cette parole de Dieu demeure. Et le cinquième commandement demeure. Le cinquième commandement est vraiment le fondement de l'autorité parentale. Et pour ceux qui peuvent penser que cette bonne idée, parce que c'est une bonne idée, mais que cette bonne idée était bonne seulement pour l'Ancien Testament, eh bien non, elle est bonne aussi pour le Nouveau Testament. Écoutez Paul en Éphésiens 6,4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Et si Paul peut dire une telle chose, c'est parce que c'est déjà présupposé que ces enfants font partie de ceux à qui il s'adresse au premier chapitre, les saints. À Éphèse, ils font partie de l'alliance, font partie de l'Église, ces enfants, avec leurs parents. Dieu est très sérieux avec son projet de perpétuer son alliance de génération en génération, à travers l'enseignement que nous transmettons à nos enfants. Voilà donc l'appel qui nous est adressé aux parents, premièrement, mais à toute l'Église. Il ne faut pas cacher, pas cacher à nos enfants, aux enfants de l'Alliance, ce que Dieu nous commande de leur enseigner. Nous participerons ainsi à son œuvre à lui qui consiste à rassembler son Église de jour en jour, de génération en génération. Nous serons des instruments faibles, humbles, mais utiles à son œuvre. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu nous commande d'enseigner à nos enfants? C'est notre deuxième partie, le contenu de cet enseignement. Le contenu à transmettre à nos enfants est résumé au verset 3 à 5. Et encore une fois, on trouve d'autres textes dans la Bible qui enrichissent. Mais ici, on a déjà bien suffisamment pour aujourd'hui. Ce que nos pères nous ont redit. Donc, toute cette histoire qui a été redite, ça fait partie de, du contenu de cet enseignement. Nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, <coughs> redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Louanges, puissance, miracles. Transmettre à nos enfants les louanges de l'Éternel, pensez-y un instant, c'est très grand. Ce n'est rien d'endormant et ce n'est pas non plus purement académique. Tout ce qui nous est raconté dans la Bible, tout ce qui nous a été transmis par nos pères, devrait nous émerveiller au plus haut point, devrait nous pousser à louer Dieu et à nous exclamer de louange, comme nous le faisons aujourd'hui à travers les champs, enseigner les merveilles de Dieu à nos enfants devrait nous amener à l'adorer, l'Éternel, notre Dieu, en famille, culte familial, le culte en famille, l'adorer en famille et l'adorer en Église, le culte en Église, avec les enfants présents, intégrer les enfants au culte pour les louanges de l'Éternel, qu'ils entendent les parents, les adultes louer Dieu, qu'ils apprennent à le faire, qu'on puisse les encourager à chanter à écouter les grandes merveilles de Dieu. Et que dire de la puissance et des miracles de Dieu Ah, nous prenons plaisir à les raconter à nos enfants, n'est-ce pas Comme le fait ici le Psaume 78, avec abondamment d'exemples d'événements de l'histoire d'Israël, où la puissance et les miracles de Dieu se sont déployés. Par exemple, la fameuse délivrance d'Égypte. Au verset 12 à 14 de notre psaume, ⁇ Devant leur Père, il a fait un miracle au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoane. Il fendit la mer, il les fit traverser, il fit dresser les eaux en une masse, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. ⁇ Ou bien encore, pensons aux soins qu'il leur prodigua dans le désert. Au verset 26 et 27, il fit souffler dans les cieux le vent d'Est et amenant par sa puissance le vent du Sud. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le, le sable des mers les oiseaux ailés. Mais sa puissance et ses miracles n'ont pas seulement servi à délivrer Israël ou à le guider ou à le nourrir. Ils ont aussi servi à manifester sa colère contre eux. Et l'option 78 euh, en parle abondamment. Un exemple parmi d'autres ici, versets 17 à 22. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert aride. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu et dirent Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert Voici qu'il a frappé le rocher, des eaux ont afflué et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Oui, l'Éternel entendit et fut en courroux, c'est-à-dire en colère. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'avait pas confiance en son salut. Combien de fois la puissance de Dieu et les miracles de Dieu se sont déployés? En colère contre Israël. Oui, nous enseignons à nos enfants, on parle ici du contenu de l'enseignement, hein? nous enseignons à nos enfants les grandes délivrances que Dieu a faites dans le passé, les merveilleux soins qu'il a donnés à Israël, mais aussi nous devons leur enseigner sa colère et ses châtiments à l'égard d'un peuple rebelle et ingrat. Asaph n'avait aucun problème à inclure tout, tout ça dans ce qui est à transmettre à la génération future. Au contraire, nos enfants doivent apprendre à connaître les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu, mais aussi la sainteté de Dieu et sa colère brûlante contre le péché, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel et qu'ils ne commettent pas les mêmes péchés que leur Père. Le verset 5 contient encore deux mots clés pour ce qui est du contenu. Il a, a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Témoignage et loi. Qu'est-ce qu'un témoignage? Un témoignage, c'est une preuve. Par exemple, un témoin qui se présente à la cour présente son témoignage pour prouver l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Ici, le témoignage, c'est le témoignage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut prouver? Qu'est-ce qu'il prouve? Dieu prouve, on a déjà vu des exemples, sa puissance, ses miracles. Il prouve que nous sommes indociles et rebelles. Il prouve sa sainte colère. Mais Dieu prouve aussi sa grande fidélité, sa grande patience, sa grâce, sa compassion, son pardon. Voyez verset 37 à 39. Du même somme. Le cœur, leur cœur, n'était pas fermement en lui et n'était pas fidèle à son alliance. Eux, pas fidèles. Mais lui, ah, quel mot savoureux, quel mot savoureux, mais lui, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Il multipliait les occasions de retenir sa colère et n'éveillait pas toute sa fureur. Il se souvenait qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Compatissant, lent à la colère, il faisait l'expiation de la faute. Histoire émouvante. Quelle histoire émouvante à transmettre à nos enfants! De si belles choses à leur transmettre. Il est intéressant d'ailleurs de constater que l'histoire racontée dans ce psaume 78, cette histoire aboutit à David. Évidemment parce qu'on présume Asaph était contemporain de David, donc il n'a pas pu en raconter plus, mais quand même, David est la preuve de la bienveillance de Dieu envers son peuple. Lisez les versets 70 et 71. Il a élu David son serviteur pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. C'est très beau encore là, voyez, la sollicitude, la bienveillance de Dieu à travers le serviteur David. Ils sont encore son peuple malgré tout, malgré toutes leurs infidélités. Et lui, l'Éternel, il est leur Dieu. Il prend soin d'eux par son serviteur David. Preuve, preuve, preuve d'amour et de grâce. Témoignage. Il a mis en Jacob un témoignage. Et toute cette histoire, ultimement, parce que l'option 78 ne s'arrête pas là, hein, finira par aboutir au Fils de David, Jésus, le Berger par excellence. Lui a fait l'expiation complète de nos fautes. Lui fait paître avec bienveillance le troupeau de son pâturage. Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5.8. Dieu prouve. Preuve, témoignage. Nous avons une merveilleuse nouvelle à raconter à nos enfants. Vraiment. Personne au monde n'a rien de plus beau, de plus merveilleux, de plus vrai, de plus rempli d'espérance. À raconter à des enfants. À raconter à des enfants. L'Évangile même doit toujours être au cœur de notre enseignement. Quant à la loi, un mot sur la loi, le témoignage et la loi, la Torah, ce mot signifie instruction au sens large. Donc, le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible sont la Torah, une instruction qui inclut des promesses qui incluent beaucoup de récits historiques, qui incluent aussi des commandements. Et au sens plus restreint, la Torah, plus, ce sont des commandements de Dieu, plus spécifiquement. N'oublions pas d'enseigner à nos enfants les instructions de la Bible dans leur ensemble, et plus particulièrement les commandements de Dieu, afin qu'ils apprennent à mieux reconnaître leurs propres péchés, mais aussi à savoir comment Dieu veut que nous vivions dans la reconnaissance pour la grande délivrance qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Alors voyez comme contenu, on a, on a du stock. On a beaucoup. Nous avons de quoi nous occuper pendant des années. Nous arrivons à notre troisième et dernière partie, le but de cet enseignement. Azaph n'oublie pas de nous présenter le but de cet enseignement. C'est très important. Ou, si vous voulez, les effets espérés de cet enseignement. Qu'est-ce que nous espérons accomplir? Quand nous travaillons à éduquer nos enfants dans la foi, il est parfaitement légitime d'avoir des buts et d'espérer des résultats, non parce que nous nous estimons de très bons pédagogues ou parce que nous estimons que nos enfants, sont, nos enfants sont très brillants, très spirituels. Pas du tout. Nous espérons des résultats parce que nous nous appuyons sur les promesses de Dieu en son alliance, uniquement. Ces promesses qui nous ont été signifiées et scellées aujourd'hui par le baptême d'Émile. Azaf nous présente deux sortes de buts, deux sortes de résultats à espérer. D'abord, le résultat que j'appellerais générationnel. On aurait cru l'inverse, le résultat générationnel, le résultat personnel. On aurait cru qu'il aurait commencé par personnel, mais non, il commence par le résultat générationnel. Peut-être une raison à cela, je ne sais pas. Alors, les enfants, euh, il y a quelques enfants ici, vous savez compter, je pense. Alors, comptez, comptez bien le nombre de générations il se trouve dans les versets 5 et 6 que je vais relire. Les adultes peuvent compter aussi. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que la connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et le leur radieront à leurs fils ce n'est pas pour vous, mais moi, je suis rendu à quatre, quatre générations. Et puis, si on pense que les pères, en fait, c'est aussi les, les ancêtres et les patriarches, mais là, ça fait pas mal plus que quatre, mais en tout cas, allons-y avec quatre et trois pour l'avenir. Vous savez, quand on est jeune parent, ça fait longtemps que je ne suis plus jeune parent, mais quand on est jeune parent… Et qu'on est très occupé à prendre soin de ses enfants, de ses propres enfants, et à trouver le temps, la manière, peut-être, de les éduquer dans la foi. Je n'en connais pas beaucoup de jeunes parents qui pensent à leurs futurs petits-enfants, et encore moins à leurs futurs arrière-petits-enfants. Si vous en connaissez, vous me le direz, Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup encore. Et pourtant, et pourtant, Peut-être ça fait partie de ce qui est énigmatique dans le psaume, hein? mystérieux, difficile à comprendre pour nous, je ne sais pas. Le psaume nous lance le défi de garder la perspective de l'alliance, la perspective de l'alliance, la grande puissance de l'alliance de Dieu qui se déploie à travers les générations comme une puissance. Tranquille, qui ne fait pas de bruit, mais qui est profonde et qui avance d'une génération à l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Vous savez, c'est un immense privilège et c'est un grand bonheur de contribuer à perpétuer cette lignée de croyants promise par Dieu. C'est un grand bonheur. C'est une grande joie d'être un petit marion au milieu de cette longue chaîne intergénérationnelle. Imaginez, nous pouvons, nous, petits, faibles pécheurs, contribuer à notre tour à perpétuer cette longue chaîne de fidèles adorateurs du Dieu Tout-Puissant. Vos activités quotidiennes. Et je parle premièrement aux jeunes parents, mais ça s'adresse à toute l'Église, n'est-ce pas? Vos activités quotidiennes peuvent avoir un effet profond, et les grands-parents peuvent avoir un effet profond sur leurs petits-enfants aussi. Donc, pas sûrement sur vos enfants ou sur vos petits-enfants, mais un effet profond sur les générations à venir. Énigmes et mystères de la vie. Les petites graines de semences de la parole que vous semez chaque jour, les petits exemples de foi que vous montrez à vos enfants ou à vos petits-enfants, ont l'air de pas grand-chose. Le monde s'en moque. Mais ces petites graines peuvent avoir un effet puissant des générations et des générations plus tard. Et ces générations plus tard ne connaîtront même pas votre nom. Donc, résultat inter, résultat générationnel, mais il y a aussi un résultat personnel qui est essentiel. Verset 7. Ils mettront. Et là, je n'ai pas eu le temps de faire toute mon exégèse pour bien vérifier si c'est la, la, la deuxième ou la troisième ou la quatrième génération aussi, là, là, mais on comprend que c'est chaque, chaque maillon. Là. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils se dresseront, verset précédent. Donc, la, 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 le témoignage, la loi est dressée, solidement établie, mais eux aussi se dresseront, seront bien établis dans la foi, ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle. N'est-ce pas que nous rêvons tous d'avoir de tels résultats, des résultats semblables avec nos enfants et nos petits-enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est notre prière? Confiance en Dieu, assurance en Dieu, espérance en Dieu, connaissance de Dieu, compréhension de ses œuvres, obéissance à ses commandements. Pas comme la génération indocile et rebelle. Et ce résultat, c'est un résultat, bien sûr, de l'enseignement fidèle, mais avant tout, un résultat produit par Jésus lui-même, par son Saint-Esprit, sans lequel rien n'est possible à travers notre humble et fidèle enseignement parental. Dieu avait déjà bien expliqué sa méthode à Abraham. Et j'arrive ici à Genèse 18, très brièvement, que j'ai lu au début, Genèse 18, 18 et 19. Écoutez bien, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante à cause de la promesse, de la parole, de la promesse de Dieu. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous faisons partie de cette bénédiction, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Ainsi l'Éternel accomplira ses promesses à travers l'enseignement que Dieu, que, que Abraham va donner. C'est la méthode de l'alliance comme ça qu'on peut l'appeler. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu uniquement, la promesse de Dieu s'accomplit à travers le travail d'éducation parentale. Les parents ont zéro mérite, mais ils ont beaucoup de responsabilités. Méthode privilégiée que le Seigneur Jésus utilise à travers le temps pour rassembler son Église et la conduire à son but ultime. Alors, être parent chrétien comporte de grands défis, très certainement, mais c'est une vocation merveilleuse, merveilleuse, inestimable, que le monde actuel méprise, mais que nous devons chérir. Une vocation absolument essentielle. Ne prenez pas à la légère, chers parents, cette grande responsabilité. Ne négligez pas cet appel que Dieu vous adresse aujourd'hui. Et toute l'Église aussi. Et n'oubliez pas que tout cela n'est possible que grâce aux promesses de Dieu signifiées, scellées, et à sa grande fidélité de génération en génération. Amen.